Ça, c'est le temps chez nous. Et à Dubaï, il fait 20. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est arrivé en vacances hier. Donc j'ai de la famille, donc c'est des vacances complètement chill, complètement repos. Mais j'ai vu qu'il y avait un terrain de moto sur Dubaï et qu'on pouvait faire de la moto dans les dunes. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas en faire et par la même occasion faire une petite vidéo. Donc si vous voyez la vidéo, bah, c'est que j'aurais réussi à rouler ici. En tout cas, il fait très chaud ici, il fait 35 degrés et le soir ça descend pas en dessous de 24. Et ça, c'est le temps chez nous. Donc c'est pour ça, pour les vacances et tout, c'est bien. Par contre, pour rouler, je sais pas du tout ce que ça donne. À mon avis, il faut soit partir très tôt le matin, soit partir très tard le soir. Je sais pas du tout. Donc, en tout cas, on verra bien. Mais du coup, je vous laisse sur la vidéo. Allez, ciao les losers. L'avion est prêt à décoller. Démarrons les moteurs. C'est parti pour le décollage. Waiting, yeah, I know what the probably end up saying. Don't lie to me, I know your breath smells like a mix of alcohol, weed and cigarettes. You way too young to be playing with death. You better slow it down, or you're gonna be next. Don't lie to me, I know your breath smells like a mix of alcohol, weed and cigarettes. You way too young to be playing with death. You better slow it down, or you're gonna be next. Bon bah ça y est, c'est le jour J, on va rouler au DMX Track, donc le seul terrain de motocross de Dubaï en fait. On a réservé une moto là-bas pour 8h, c'est un peu tôt mais vaut mieux rouler à la fraîche le matin. Donc c'est pour ça qu'on y va si tôt, là on s'est levé à 6h30, là c'est 7h et puis on va y aller. J'avais vu 2-3 vidéos de Jeffrey Rallings qui s'entraînait là-bas début d'année, mais à part ça je sais pas à quoi m'attendre au niveau du tracé, au niveau de la texture, au niveau de la taille du terrain, je sais pas du tout. Donc on verra bien. About Mallory, all I see fun thrills from the salary is. It's cool, she really fun when she hears a song, she knows every line. She says we're young and broke, got nowhere else to go. Maybe we'll have it sucks for being so dumb. You were 18 when you moved out of your parents' place, and you hated all those inner days. I think that I think too much, I do it hourly. I think I'ma fall in love with a girl named Mallory. Oh, t'inquiète. Le triple de Jeffrey Rallings. C'est ici. C'est la plupart des vidéos que j'ai vues, c'était là. Franchement, on prend peut-être pas le bon endroit.
Mais sable. Sable, sable, sable. Mais c'est cool. L'air d'avoir des enchaînements, mais de fou. Là, pff. Regardez l'enchaînement ici. Là. Non. Franchement, il a l'air pas mal du tout. Et la texture, elle a l'air folle. Parce que là, ils ont arrosé, je pense, ce matin. Mais pff. Ça a l'air d'être vraiment folie. Par contre, il a l'air d'être immense. Il a l'air d'être pas totalement refait. Franchement, après, parce que je pense que ça se défonce quand même assez vite ici. Au moins, ça fera des, des belles traces. On y est. Dubai Motocross Track. Save me, I needed you to save me. But every single time you break me, every single time you break me. Bon voilà, premier tour de terrain fini. Le terrain est super long, du coup j'arrive pas. Là j'ai fait quoi, 4-5 tours, mais je suis déjà mort. De toute façon ça, le physique, je me doutais que. Mais le terrain est tellement long que j'arrive pas à me repérer. J'arrive pas à repérer les sauts, les virages et tout, donc c'est encore un peu compliqué là. Ça va venir au fur et à mesure, mais ouais, franchement super long. Mais sinon ouais, super super trace, super grosse ornière du coup. Et je l'ai fait tout seul, donc c'est ça qui est génial, je peux le reprendre au même endroit. Là, on va mettre une fixation GoPro. Ah bah, je l'ai déjà mis dessus. Sur les Fox, ce qui est bien, c'est que ici, les plates, elles passent direct. Bon là, après, moi, j'avais rajouté de la colle sur les miens. Là, je sais pas si ça tiendra bien comme ça. Bon, de toute façon, on va essayer. Là, ça bouge pas mal. Ah, au pire, j'en mettrai une dessus après. Every single time you break me, every single time.
Suspensions qui sont un peu je sais pas comment ils les ont réglées, je sais même pas la pression qu'ils ont mis dedans, mais je sais pas, c'est bizarre. Et du coup c'est chaud de prendre les virages de sable comme ça. De toute façon les motos elles prennent un peu cher, donc elles vieillissent mal je pense. Et on est tout seul hein, on est tout seul. J'ai la piste pour moi tout seul parce que l'autre là-bas du coup on était que trois en fait avec un petit, et bon ils ont pas, ils font sur la petite piste là-bas. Par contre je le sens déjà, j'ai enlevé le pare-pierre parce qu'il me collait trop et puis c'était trop gros, ça me faisait une armure. Mais il fait déjà super chaud. On va retourner boire un coup et puis continuer 2-3 tours parce que j'ai que 2 heures. Et on hop, je coupe la GoPro. En fait je filme depuis tout à l'heure avec la GoPro là. Mais le truc c'est que c'est super dur sur les lignes droites et les grands tracés sur les tables et tout ça, mais dans les virages, c'est sable. C'est sable complet. C'est du sable. Mais ça veut dire quoi? C'est du sable. Oui, c'est du sable, c'est tout du sable partout. Mais dans les lignes droites, c'est très dur. Ouais. Et dans les... Parce qu'ils ont mouillé. Ouais, je pense. Je pense qu'ils ont bien arrosé ce matin. Ah, c'est pour ça que j'étais tombé tout à l'heure. J'ai même pas regardé ce qu'ils mettaient comme pneus dessus. Ils doivent mettre des pneus tendres. Bon, voilà, 250 SXF 2018. Avec... un pneu sable à l'avant et un MX32 mid-soft à l'arrière. La moto, j'ai pas essayé l'autre courbe. Faudrait peut-être que j'essaie l'autre courbe, mais elle mouline un peu. Bon, après, on va regarder le monde dehors, mais. Bon, voilà, bon, bah, du coup, c'est sur ce terrain en fait, parce que c'est. Il y a qu'un seul, du coup, terrain de cross à Dubaï. Donc, c'est sur ce terrain où ils font des courses. J'ai vu qu'il y avait des courses et puis à mon avis il doit y avoir des cours. Enfin en gros c'est un motoclub je pense. Et là ils m'ont même pas demandé la licence, rien du tout. Là c'est tarif, tu t'inscris, tu mets ton nom, ton prénom sur un papier et puis tu payes. C'est sur ce terrain qu'a roulé Jeffrey Herlings en janvier je crois. Mais franchement et ça cogne. Hein. Là à l'ombre ça va parce qu'il y a du vent. Mais dès que tu te mets un peu au soleil, ça tape. En Dubaï, super désertique. Il n'y a pas vraiment grand chose en fait, il n'y a pas de... Là c'est vraiment tout plat, il n'y a que du désert autour. En fait il a été tout refait complet ce matin, bon pas totalement. Il y a des endroits où c'est creusé quand même. Mais ils m'ont refait toutes les lignes dans les... Enfin ils m'ont refait... je dis ça parce que je suis tout seul, mais ils ont refait toutes les lignes dans les virages. Ils ont tout réaplati, et du coup c'est moi qui ai fait toutes les traces ce matin. C'est pour ça que c'est un peu le bordel. Mais putain, à chaque fois moi il faut toujours que... Pour les vidéos que je fais, faut toujours que j'ai un terrain où je suis tout seul. Bon, pour les vidéos, c'est mieux. Mais là, j'aurais bien aimé voir comment on roule un pilote d'ici. Non, pas mal. Content. Franchement, content. Ouais, c'est bien. Ah, mais t'as vu, il y a plein de chats sauvages, hein. I be ballin' like my name Maradona. Came a long way from selling on the corners. I ain't with beef, I ain't with the drama. I just need money, I just need the commas. I need my niggas to keep it 100. I need my niggas to keep it a stack. I do not shoot, but my niggas is gunning. They see where I'm going, and I got my back. I be ballin' like my name Maradona. Came a long way from selling on the corners. I ain't with beef, I ain't with the drama. I just need money, I just need the commas. I need my niggas to keep it 100. I need my niggas to keep it a stack. I do not shoot, but my niggas is gunning. They see where I'm going, and I got my back. Bitch, you be flocking.
looking like birdies. I come to my crib out of 30, they always get flirty. Then when I fuck them and dip on these bitches, can't even be mad. I got lean in my system. They give me talk on my guap, I be flushed up. Then they heard a nigga nice up. Then they tryna run a truck up. That ain't gon' happen. Take that shit way back to middle school. I was way too young to be rockin' the truest. I'm running together with rocks, but I'm just a demon, so I'm gon' keep rockin' my Louis. Louboutins on a nigga feet. Dollar signs, all a nigga see. I do not fuck with no fake niggas. All my day ones, keep it real with me. All of these niggas be trippin', niggas be actin' like bitches. My nigga, I do not get it, but all of my niggas is winning. Need to get out of the trenches. Sometimes a nigga feel helpless, don't got nobody to help me. My niggas died and I felt it. Put the money over everything, even right over a wedding ring. I'ma make it this on everything. Pray to God that I see better days. Put that money over everything, even right over a wedding ring. I'ma make it this on everything. Pray to God that I see better days. Selling on the corners, I ain't with beef, I ain't with the drama. I just need money, I just need the commas. I need my niggas to keep it a hundred. I need my niggas to keep it a stack. I do not shoot, but my niggas is gunning. And see where I'm going, and I got my back. C'est horrible, il fait trop chaud. Le tendeur de chaîne, il s'est pété. Ils les ont mis à l'envers en plus. Thank you. Bon, bon voilà, fini. Là, j'ai fait 2 heures. À la fin, il fait trop chaud. Là, 10 heures, c'est impossible. Même la GoPro, elle chauffe. L'appareil, il chauffe. On n'a pas pu finir avec trop de plans. En tout cas, voilà, les gars. Bah, écoutez, du coup, on va essayer de faire au mieux avec les plans. Avec les plans, que ce soit GoPro ou avec l'appareil. It's 45 minutes. Bye, thank you, bye. Putain, je suis lessivé. On n'a pas trop pu finir les plans. Mais bon, je pense que ça va donner une petite vidéo sympa quand même. En tout cas, ça fait bizarre de revenir en 4 temps. Parce que ça fait déjà 2 ans, je crois, que je roule en 2 temps. Donc là, ça m'a fait un peu drôle. Mais bon, dans le sable, c'est quand même mieux. C'est plus facile. Et ça pardonne plus, on va dire. Mais pour ici, c'était cool. MX Academy, si jamais. MXacademy.ae. Pour venir rouler ici. Ils ont de tout, ils ont des KTM, j'ai vu une YAM aussi. En tout cas les gars, fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis voilà quoi. On se dit à une prochaine dans une autre vidéo. Ciao. Ballin' like my name Maradona. Came a long way from selling on the corners. I ain't with beef, I ain't with the drum.